qui était nous parler dans le commencement Telegram là avec directeur autorité portuaire nationale et APN Jocelyn Villiers. Avec lui nous allons regarder et actualité APN là, puisque nous connaissons depuis 5 mois Robertson et pas gagné et marchandises qui débarquaient dans port de Port-au-Prince là et principal port et pays là. Et nous allons regarder est-ce que situation ça a évolué et nous avons plaisir pour nous parler avec directeur APN là, Jocelyn Villiers. Monsieur Villiers, bonjour. Bienvenue sur l'antenne. Bonjour Magic 9 et bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous m'avez le matin. Bonjour, bonjour DG Villiers. Nous sommes bien contents. DG Villiers, menez-nous dans la situation APN, situation CPS et gardez avec vous tous situation différentes installations portuaires qui trouvent dans la baie de Port-au-Prince. Comment ça y est? Bon, Magic 9, c'est un plaisir pour avec nous matin hein, et pour me parler de situation autorité portuaire nationale, situation pour le port en général. Donc, trafic portuaire là qui baissait considérablement de l'activité et sécurité qui régnait dans la ville Port-au-Prince. Donc, on connaît jamais sur tout réseau et de radio dans la capitale là. Relation ville à port, je veux dire, son bagage qui est très déterminant. Une ville qui va gagner sécurité, lui est sous port, et même Jean Port à tout, lui gagne action sur ville-là. Comment ça y est? Dernière fois, nous avons parlé avec des sources au niveau de CPS, c'est-à-dire non. Dernier navire qui transporte des conteneurs de Théo-Chevoix, c'était le 5 mars 2024. Et nous avons parlé avec Outou, nous avons dit que y a une baisse considérable de trafic et au niveau de l'APN et des autres installations portuaires qui n'ont pas le port de Brest-là. Comment ça y est? Bon, j'ai envie de dire, Robinson, le trafic a baissé considérablement dans toutes les installations portuaires qui gagnent dans le port international de Port-au-Prince. Donc, nous voulons parler de l'installation publique du port de Port-au-Prince qui à la Saline. Nous voulons parler aussi de l'installation portuaire du port Lafito. Et sans compter les moulins d'Haïti maintenant qui est occupé par les gangs et Spina qui est occupé par les gangs. Donc, trafic conteneur est fait dans deux installations, qui est l'installation publique à la Saline et l'installation du port Lafito et qui est dans le côté nord, port international de Port-au-Prince. Donc, depuis montée insécurité à Port-au-Prince, et trafic conteneur a baissé considérablement. Et le dernier bateau qu'on doit recevoir, c'est le 5 mars. Et depuis, nous ne pas recevoir bateau conteneur, mais nous avons un navire vrac qui a débarqué et qui a terminé dans le port de Port-au-Prince. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un pile navire qui dit au pape venir dans le port de Port-au-Prince encore? Bon, pour le trafic là, il est conditionné par. Son trafic est conditionné, c'est l'île maritime qui est par rapport avec l'agent maritime qui est arrivé à rentrer. On a un pile là-dedans qui a abandonné l'escalier dans le port de Port-au-Prince, éliminé l'escalier pour le port de Port-au-Prince, mais. Et c'est ça parce que pour un avion venir dans le pays, il y a pour la sécurité de l'île là, la sécurité qui est dans le pays, parce que l'avion n'a pas pu assurer, et plus il y a une sécurité, c'est plus assurance. Les navires là augmenté. Donc, les compagnies d'assurance n'ont pas de problème. Donc, les maritimes ont été abandonnés ce jour-là dans le port de Port-au-Prince qui est reporté pour y aller dans la République dominicaine et les conteneurs pour y aller qui débarquaient à Kingston, Jamaïque. On a parlé de combien de bateaux qui étaient habitués à venir qui décidaient pas de venir encore à cause de l'insécurité. Et depuis le dernier événement, nous avons les bateaux qui ont commencé, quand nous avons 40 escales. Par mois, et là, là, tu commences à baisser net. Je viens de descendre, je crois, il y a des rapports de l'exploitation qui vont être faits à l'âge, et descendre à 20, et maintenant qu'on y a, nous au point mort. Au point mort, ça veut dire que qu'on y a trafic à continuer à baisser considérablement. Maintenant, Gamou, vous avez raison? Oui. Oui, allez-y. Oui. Oui.
par rapport avec ça, Déjevilliers, est-ce que li pas opportun pour nous t'a garder par exemple et qui gêne nous qu'à exploiter l'autre installation portuaire qui est en périphérie? Là, on va parler de Port du Sud par exemple, on va parler Non, mais de. avant arriver là, dans l'aspect ça, il y a deux, trois points besoin d'aborder avec DGA. Vas-y. Maintenant, l'IBC, mais actuellement, DG, Villiers, est-ce qu'il y a des dispositions pour renforcer la sécurité à l'intérieur de CPS, à l'intérieur de ABN? Si oui, bon détail sur ça. Bon, c'est là, Robinson, il n'y a qu'un site de sécurité qui te prend. Et c'est à l'étape là quand vous avez un scénario qui est plus difficile à tomber. Donc, jusqu'à présent, il faut de progrès tenu. Donc, nous renforcer la sécurité à l'intérieur. Nous commençons avec renforcement de la sécurité assez tout en tout. On package, renforcer les procédures, renforcer le personnel. Et nous avons le personnel militaire qui est à l'intérieur pour nous. Et qui nous a salué, bravo, détermination et professionnalisme. Et en plus, personnel de sécurité a été personnellement renforcé. Est-ce que ma chaise nous arrive à faire sortir? Oui, il y a des marchandises qui sont sorties, mais avec un peu de difficulté. Parce que les marchandises là, premièrement, pour sortir, il ne dépend pas seulement de sécurité port, il dépend aussi de sécurité ville. Et c'est pour ça que je vois toute radio. Par les relations que tu peux gagner entre une ville et un port. Les villes ont mal marché, c'est comme la santé, c'est comme l'église, on épidémie. Si on a une épidémie, on peut prendre toutes dispositions pour détecter tout, mais quand même, si j'ai une grippe qui vient, on peut en pile monde dans la ville. Donc c'est le même bagage pour une ville et un port. Ensuite, il y a réception de marchandises. Réception de marchandises, ça va dépendre seulement du port, elle dépend de comment l'économie ville a marché. Donc si pas gagné, c'est tous les magasins, des magasins, pillés, etc. Donc, pas une capacité pour villa réceptionner les conteneurs. Donc, c'est ça, c'est pas seulement une sécurité, c'est pour l'économie. Donc, garder l'économie Port-au-Prince, c'est la première chose pour la. Là, on a parlé de combien de conteneurs qui arrivaient quitter pour. Je n'ai pas de chiffres là, dans cette main là avec vous. Je vais vous directement, mais nous avons des conteneurs qui très rarement. Le directeur général par rapport à Matisse, c'est vraiment qui déporte. Qui peut Et donc, dire, on va aider tout, de qui peut dire? c'est le trafic de cabotage à tout, puisque on est côté nord, la ville de Port-au-Prince est bloquée, côté sud, la ville de Port-au-Prince est bloquée, c'est l'issue qui est pour approvisionner pour l'instant, l'irrité, et pour le Port-au-Prince, jusqu'à présent. Et à chaque fois que nous sommes capables, nous avons la possibilité que des marchandises qui partent de la ville de Port-au-Prince pour aller vers le sud ou pour aller vers le nord. Et comme vous connaissez, nous avons une cargaison, un navire qui a porté Magali, qui a porté une cargaison de 48 687 sacs de riz, qui était des bandits, qui était arrêté de la cargaison ça et qui était mené dans le terminal des Moulins d'Haïti. Il a posté les moulins d'Haïti. Donc, après opération très difficile que les gardes-côtes, accompagnés des agents de sécurité de la PNT menaient, et les forces de l'ordre menaient à côte dans le moulin d'Haïti, a été reprendre le bateau. Et en tant que directeur général, m'a profité matin pour me saluer. Détermination, bravo, ensemble, le monde qui est impliqué dans la sécurité, et pour, et plus spécialement, et les gardes-côtes. La PNH en général pour qualité opération ça. Maintenant, qui t'aime aborder, on le respect avant de nous aller dans la question. Jean-Daniel Lassou, est-ce que le trafic maritime et les maritimes est observé et d'autres installations portuaires, notamment et dans le nord et dans le bord du sud lui-même, et dans la question là tout. Et commerce. Transport maritime, et qui ça représente dans l'échange commercial en Haïti avec l'extérieur, et comment l'État haïtien réussit et vive, ou est-ce que l'État haïtien réussit vive ou percevoir des taxes dans le contexte, ça n'a pas gardé à la et de. Bon,
Il y a une partie de la question qui intéresse l'autorité constitutionnelle, mais il y a un autre volet de la question ça, qui intéresse plus la douane et DGI. Donc, mais quand même, c'est un bon, élément de réponse. Trafic maritime à travers le monde peut représenter environ 90% d'échanges. Puisque pour trafic important, c'est quoi qui fait le plus important. Et chaque fait quoi plus important, c'est le transport de masse. Si tu as transporté en quantité, c'est plus ou qu'à baisser quoi. Donc, la transport, c'est ça qui paye toute importance à transport maritime. Et le transport, la CAENO, entre environ 90%, 80 à 90% de temps consommé, c'est dans l'embellage. Ça veut dire que c'est dans le bateau le passé pour entrer dans le pays. On va imaginer 80% de ça consommé par le pays. Et dans le pays, il y a une production beaucoup plus difficile avec. Activité de grande différence qu'on a dans la zone de la Tibonite, qui vient de faire le transport maritime beaucoup plus important. Imaginez poids, ça a gagné environ 69%, 70% de recettes et DGI dépend de trafic ça. Donc, gardez en termes de avoir un petit poids, ça a gagné sous recettes. Et douanière et recette de DGI pour mon mandat. Dani, les ports. Oui, est-ce qu'il y a une réflexion qui a fait par rapport à ce qui a passé dans Port-au-Prince? Il y a une réflexion qui a fait pour utiliser l'autre port dans le pays pour nous survivre, pour nous recevoir les marchandises et des jeux vidéo. Dans le moment où on a parlé là, tout le secteur, hier, on a eu une réunion avec. Et responsable CPS, conseil d'administration CPS, qui est opérateur dans l'installation portuaire publique du port de Port-au-Prince, a planifié réunion avec tout le secteur portuaire en général pour nous garder qui éléments de réponse que nous capoter avec mettre l'installation plus dure, assurer que le transport a fait de une ville avec mon lot. Dans le moment, ça a les Cap-Haïtiens renforcer les travaux pour réhabiliter le port du Cap-Haïtien et les lancer parce que les compagnies qui ont gagné un bit là, les mobiliser pour les Cap-Haïtiens et les travaux vont commencer. Donc, on a essayé pour nous, c'est une carte Cap-Haïtien, mais le plus grand port, il a qu'à recevoir plus de conteneurs et les conteneurs sont capables de sortir beaucoup plus rapidement. On a travaillé avec le ministère des Finances pour nous, dans ce tube là, côté de Miragouane, nous avons aménagé l'installation portuaire du port de Miragouane. Et ça capable pour nous desservir le sud et regarder tout ça qui est dans le sud d'Aquilan, il est capable, même genre avec le port international du sud, regarder comment il a respecté les principes internationaux et pour le trafic de tarifs, pas seulement vers le port au prince pour aller dans la province, aller directement vers le port. Merci un peu, le jour Saint-Ville est d'être disponible pour nous matin. Bon, c'était un plaisir pour moi de parler avec Marie-Fleur. Marie-Fleur permet moi de dire à participer. Nous regrettons, et après l'opération, hein, jusqu'à présent, l'équipage bateau Magalia, qui est kidnappé dans les bandits. L'opération n'a pas visé seulement reprendre le bateau. La vie est beaucoup plus importante. Et bien, tout le monde connaît ça. Et l'autorité portuaire nationale, vous voyez, c'est parti, ben, tout le monde qui est touché dans l'opération complexe qui est faite dans la zone nord pour reprendre le bateau. Et nous espérons en temps et lieu. Que l'équipage là va retrouver liberté. On a profité du moment pour nous dire tout le monde qui a souffert par rapport à ce qui a passé dans le port. L'autorité portuaire nationale parfois est bralée. Nous là, on a travaillé et tout le secteur a mobilisé pour qu'en tant que milieu, ce trafic là recommence comme avant, l'économie va reprendre. Donc, à tout le monde, pour du courage et quel que soit le secteur photo, il y a. Un point important pour tout le monde, quel que soit maintenant. Pour vivre, il faut des moyens pour manger, mais pour manger, même si on a des moyens, il faut être disponible pour acheter. L'île là, c'est pour nous. Pour eux, c'est pour nous. Autorité, c'est pour nous. Nous mettons tout le monde entre nous, les gens nous. Mais pour nous, il faut que nous conservions la tête, il faut que nous conservions le pays, il faut que nous conservions la ville. Donc, mes amis, je ne suis pas en tant qu'autorité, je ne suis pas capable de demander pardon, si je vous fais. Pas, ça, c'est encore. Mais qu'on est, même soit vous m'avez tout, même soit vous m'avez tout,
ou pas qu'à attaquer juste en zone. Pour préparer pour résister, je vous le dis à tout le monde. Les villes là à quoi sont seules. Il a quoi supposé marier, il a quoi supposé commune de Yonaklot, même si nous avons dit nous avons dit que 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 demain, avons dit que nous 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 avons dit que